terme éducation, educere, ça veut dire conduire l'enfant à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en toute occasion, par tous les moyens, éduquer l'enfant à percevoir dans les choses les plus simples de la vie quotidienne le subtil de la chose. Et les enfants le perçoivent, puisqu'ils voient des nains, ils voient des elfes, tu es d'accord, ils voient enfin, tout ce que tu veux dans les forêts, dans les arbres, ils ont une imagination active qui est extraordinaire. Pour ma part, ce qui m'a mis sur la voie, c'est j'ai découvert un jour que lorsque j'étais enfant, jusqu'à 6 ans, j'avais une vie enchantée. Je voyais des tas de personnages que les autres ne voyaient pas, je jouais avec eux, je m'amusais comme un fou. Et puis à 6 ans, j'ai dit à tous ces amis, laissez-moi tranquille, parce que j'ai trop d'ennuis à cause de vous, on dit que j'ai trop d'imagination, que les fées, ça n'existe pas, les êtres de lumière non plus. Et tous ces amis se sont évanouis. Nous, les parents, on leur dit, mais ça n'existe pas, tu vois, au bout d'un moment, le Père Noël, le machin, le ceci. Donc, on les désenchante. Mais on les désenchante, ça veut dire qu'on ferme la porte à l'imagination active, qui était une sorte d'œil du cœur capable de voir encore. Et j'ai passé de 6 ans à 18 ans dans le cerveau gauche, c'est-à-dire le stress, l'intellect, je suis devenu médecin, j'ai travaillé, mais j'avais toujours un sentiment affreux que j'avais perdu quelque chose en route, mais je ne savais pas quoi, j'avais oublié tout cela. Et puis à 24 ans, j'étais tellement stressé, j'étais tellement sous tension, que j'ai décidé d'apprendre la relaxation. Je vais à l'Institut Monroe aux États-Unis, et là, j'apprends à détendre mon corps physique, et dès que j'apprends à voyager avec ma conscience hors du corps physique, par l'ouverture du cerveau droit, je monte sur un plan où je vois tous ces amis qui me disent bienvenue, on t'attend depuis longtemps, nous sommes heureux que tu nous rejoignes. Et de bonne heure, j'ai pleuré pendant 3 jours, ma vie était comme réenchantée. Thank you.